Monster Kill. Bonjour à tous, ici Demon et on se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 1 de Noob Diary, consacré toujours à Day of Defeat Source. Et donc je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, que je m'étais fixé 3 défis. Réussir une partie en moins de 5 minutes. Putain, j'arrive pas à parler, ça commence bien. En moins de 5 minutes, réussir une partie en ayant terminer une partie en ayant un ratio positif, c'est-à-dire plus de tués que de morts, et faire plus de 5 kills, non, faire 5 kills au snipe dans une même partie. Donc nous avons réussi les deux premiers, et il ne nous reste plus qu'à faire 5 kills au snipe dans une même partie. Donc là c'est parti, j'ai pris le sniper comme vous le voyez. Alors un petit problème sur cette partie, c'est que va y avoir des joueurs qui vont parler, c'est normal, hein. Il y a un micro, c'est pour ça. Il va peut-être falloir que je coupe le son des fois de la vidéo pour parce qu'ils ont vraiment beaucoup parlé, ils racontaient de la merde. Ah là j'ai failli en buter un, mais il s'est fait buter par un pote. C'est dommage parce que je vais pas avoir beaucoup d'occasions de tuer, vous allez vous en rendre compte. Le sniper n'est pas du tout mon truc. Donc là je vise au loin. Franchement c'est relou quoi. Je ne vois personne. J'avance un petit peu, je regarde. Je ne vois personne. Donc là j'avance un petit peu en camp. Oh, je me fais buter par un mec qui est au fond du grenier là-bas. Donc c'est pas du tout ma philosophie, donc c'est un peu aller contre ma nature que de faire ça, donc ouf. Oh. Là vous devez très très bien m'entendre. Ça doit même gueuler dans vos oreilles. Voilà, là ça doit être mieux. Donc on est reparti. Oh, attendez, j'ai pas vu le score, putain, je vais trop vite. Donc là je suis ce mec qui a l'air de savoir où il va. Là j'en vois un là-bas qui est en train de se faire tirer dessus, je me dis ah je vais aller l'aider. Attention, là il y a un mec, ouf, j'ai essayé de faire un quick scope comme les PGM, j'ai essayé d'en faire encore un mais là complètement dans le vide, et là il arrive et il se fait buter par un pote. Bon, je recharge mon arme, toujours pas de kill pour moi. Là j'en vois un ici, j'essaie de tirer sans en no scope, j'ai vraiment tout, là je me fais buter dans le dos, j'essaye vraiment de tester toutes les techniques de PGM au snipe, mais bon il n'y en a aucune qui marche, alors pour le moment 0 kill et 3 morts. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour le ratio, là on est juste là pour faire 5 kilos snipe. Ça va être, croyez-moi, c'est le défi le plus tendu pour moi, parce que peut-être que vous, le snipe, c'est hein, quelque chose de naturel pour vous, mais pour moi, pas du tout. En plus, là, j'ai oublié d'ouvrir ma carte, comme vous pouvez le constater. Ma carte n'est pas ouverte. Ce qui est plutôt con parce que du coup je ne sais pas du tout où je vais, là j'arrive sur l'allée centrale. Bon, de toute façon les cartes de Day of Defeat sont plutôt linéaires, en général il y a une ou deux allées. En général il y a une allée centrale et puis une ou deux back allées sur les côtés. Hop là, on va essayer de se mettre à une fenêtre pour faire du snipe en mode camping. Là je vise là-bas, j'en vois un. Ah il s'est cassé, dommage. Je me relève, il est plus là. Je regarde les fenêtres, je me dis peut-être qu'il m'a vu, peut-être qu'il est en train de me mettre sa lunette dans la gueule. Là je le vois ici, j'en vois un ici. Bim, headshot, 300 points de vie enlevés d'un coup. Sur un mec qui avait posé une tourelle pour camper, donc ce n'est que justice finalement. C'est mon premier kill au snipe, mesdames et messieurs, c'était un headshot. Donc plutôt stylé. Là je regarde si je peux pas me faire un autre kill. Oh purée. Et bim, on fait buter dans le dos. Alors là je suis avec la Wehrmacht, vous l'avez certainement remarqué. J'ai un fusil sniper de la Wehrmacht. D'ailleurs j'ai pas prêté attention à quelque chose, c'est le réticule de visée. Faut que j'attende de regarder dans le scope pour regarder. Enfin, je vous en ferai part quand on aura l'occasion de le constater. Donc là on passe par la back alley, je suis ce mec là qui a l'air de savoir où il va comme d'hab. Non finalement j'ai passé par la centrale. Je vois un mec là, j'essaie de tirer en noscope, il se fait buter par un pote. Là il y en a un qui rampe là-bas, je le vois, mais je me fais buter avant. Et du coup j'ai pas regardé le scope. C'est un petit peu con, je sais pas ce que vous en pensez. On est reparti. Trop tard. Là, il se passe rien. C'est fake. Donc là, on passe par ici, on essaye de voir. Donc là, comme ma carte n'est pas ouverte, je sais pas du tout où je vais. Voilà, là j'ouvre la carte. Donc comme ça, je vais pouvoir me repérer. Par contre, là, il n'y a pas de flèche sur cette map-là pour te dire où il faut aller. Parce que c'est peut-être plus exigu, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de flèche. Ouh, il y a un mec qui se fait buter dans le dos, là, je le vois. Je me fais buter.
J'ai encore essayé de faire un noscope, ce qui n'est pas bon. Vous voyez qu'ils ont pris la place centrale, la rue principale, comme poste de commandement. Mais là je m'en fous, moi je suis pas là pour gagner la partie, là je suis là pour faire 5 kills. On est reparti, pour moi j'en ai fait 1 kill, donc il va falloir que je me bouge un peu le cul. Vous voyez, quand on est noob, hein, c'est plutôt difficile d'utiliser sniper. Là il y a un mec qui se fait buter, j'arrive dans l'allée, là je vois, je bouge comme les snipers font, comme j'ai vu les snipers faire, hop je tire, hop je bouge, je vise. Voilà, donc là le scope, vous voyez. Et en fait, il n'y a que trois barres, une barre en bas et deux barres sur les côtés. Donc c'est le Kar 98, il me semble, allemand. Là, ce poste de commandement peut se capturer qu'à deux, c'est bizarre. Donc en fait, ça, j'avais déjà vu ça dans, bah, dans tous les jeux sur la Seconde Guerre mondiale. Tout simplement, il y a un mec là-bas, j'essaie de le viser, je touche pas. Les Springfield américains ont eux une croix. Donc ce qui fait que tu peux beaucoup mieux viser, alors que là, comme en fait il y a un petit espace entre chacune des barres, donc le réticule est pas optimisé. Je sais pas ce qui leur est arrivé aux ingénieurs allemands quand ils ont conçu ce scope. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le réticule du Springfield est une croix, donc il y a vraiment un point où tu sais que la balle va arriver, donc t'as juste à le caler sur la tête de l'ennemi et tu tires, alors que là il y a quand même un petit espacement, ce qui fait que le réticule fait t'as l'impression qu'il y a une espèce de rond de diamètre non nul au milieu où la balle va arriver, mais si la cible est loin, c'est pas évident qu'elle va arriver dans la tête de ton ennemi, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là il y a un mec ici, bim, je le bute. Il y a un mec au fond, bim, je le bute, deux kills d'un coup, hop. En plus le sniper est un petit peu abusé dans ce jeu, donc vous faites des one shots, alors qu'avec le Thompson t'es obligé de vider un chargeur pour buter un mec. Donc là j'avance, il y en a ici, oh je fais du noscope, il est planqué par terre, il n'arrive pas à me viser, bim, noscope, allez, là il y en a un autre, bim. Je l'ai buté là ? J'ai 4 kills, 4 kills, non je l'ai pas buté celui-là. C'est un autre pote qui a dû le buter, mais j'ai quand même fait un noscope sur le mec qui était par terre. Bon, en même temps j'étais à 30 cm de lui, mais c'est déjà ça. Et donc il ne me reste plus qu'à faire un kill et j'aurai terminé le dernier défi sur Day of Defeat Source et on pourra passer à la saison 2. La saison 2 qui se passera sur le mode multijoueur de SWAT 4. Donc pour ceux qui ont aimé mon début de walkthrough de SWAT 4 en solo, suivez, hop là je le rate, suivez ce Noob Diary saison 2 sur le multijoueur de SWAT 4, ça peut être marrant. D'ailleurs en parlant du playthrough de SWAT 4, j'arrive pas à dire through. Je suis vraiment nul. J'ai essayé de le continuer. Malheureusement, je suis bloqué à une mission. Bah, la dernière mission que j'ai mise. Vous savez où j'ai mis uploadé des vidéos. Je sais pas si vous suivez. Si vous ne suivez pas, allez faire un tour sur le playthrough de SWAT 4. Ça vous intéressera peut-être. Si vous aimez les FPS tactiques PC. Là, j'en vois un qui est planqué. Là, il y en a ici. Bim! Allez, 5ème kill. J'ai fini mon défi. Bon, on va quand même finir la partie. Voir si on peut pas améliorer ce score. Pour que je me fais sauter la gueule. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, allez voir le playthrough de SWAT 4. Et les deux dernières vidéos que j'ai mises, en fait, c'était une mission que j'ai ratée. Mais je trouvais que elle était remplie d'action. Enfin, quand je l'ai ratée, là, c'était rempli d'action. Donc, la vidéo était plutôt sympa. Enfin, d'après moi, en tout cas. Donc, du coup, je l'ai quand même mise en ligne. Et après, j'ai essayé de la réenregistrer deux ou trois fois. À chaque fois, c'était des fights épiques. Et je me faisais niquer au score. Et je galère un peu, en fait je fais de l'usage usage de la force, vous savez, qu'est-ce que je vais faire là? Ah j'ai jeté le cas, c'est pas mal. Ah oui, là je désactive les voix parce qu'ils commencent à me péter les burnes alors que je suis en train de jouer. Ils arrêtaient pas de parler, peut-être que vous les entendez dans la vidéo, peut-être que j'ai coupé le son, je ne sais pas encore. Je vais voir ça à la post-prod, peut-être que je vais couper le son quand ils parlent, parce que vraiment, ils racontent que de la merde, voilà. Et donc, pour cette mission de SWAT 4, donc j'ai plusieurs fights épiques, et à chaque fois je me fais niquer au score. Donc je vais essayer de le continuer, mais là les vacances se terminent, donc il va falloir que je travaille quand même, j'ai des concours à la fin de l'année, hein. Il va falloir que je taffe un peu, arrêter de glander. Et du coup, je vous garantis pas que le playthrough de SWAT 4 reprendra bientôt. Et pour ceux qui sont... Oh putain, comment j'ai été jarté. En plus par un pote qui m'a team killé.
pour ceux qui sont intéressés par l'horloge de Minecraft, j'ai pas eu le temps pendant ces vacances de m'y mettre. Je garantis pas que je pourrais m'y mettre avant, avant la fin des concours, c'est-à-dire fin juillet, début août. Donc ça fait quand même 6 mois, 7 mois. On est quoi? On est décembre là? Ouais, ça fait dans 7-8 mois. Prenez votre mal en patience. Allez voir les autres vidéos. J'ai pas mal de vidéos pour ceux qui, surtout pour ceux qui sont intéressés par StarCraft 2. J'ai beaucoup de vidéos de StarCraft 2, des replays commentés professionnels, une série sur le 3v3, des freestyles, c'est-à-dire des stratégies complètement loufoques utilisées qu'on a testées et qui marchent ou pas. Ça dépend des trucs. Qu'est-ce que j'ai sur ma chaîne? J'ai le playthrough de SWAT 4, j'ai le Noob Diary que vous voyez en ce moment se jouer sous vos yeux. Une petite vidéo d'Alien Swarm qui est un jeu téléchargement gratuit sur Steam qui est plutôt stylé. J'ai quelques vidéos de Minecraft. Bon, voilà, vous trouverez votre plaisir si vous aimez ces jeux-là. Et d'ailleurs, si vous préférez un certain type de vidéo, précisez-le. Hein. Moi, je suis là aussi pour satisfaire les gens qui me suivent, même si on n'a pas beaucoup. Justement, c'est plus facile de satisfaire quand il y a 7 personnes qui te suivent que quand il y en a 2 millions. Et donc, si vous préférez... Ah, bah, la partie qui est finie. Donc, je vais juste continuer à parler. Si vous préférez certains types de vidéos, dites-le moi. Et j'en ferai plus. Et si vous voulez que je joue à... Si vous voulez certains jeux que vous aimez et que vous voudriez que je fasse des vidéos dessus, dites-le moi aussi. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. C'était Demon. Et c'est la fin de la saison 1 de Noob Diary. Et c'est fini pour Day of Defeat Source. Merci à tous.